Allez, salut, salut les gars, salut tout le monde, c'est moi et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Ressort 225. Donc avant de suivre cette vidéo là, je vous demande bien de me donner une pouce bleu, c'est-à-dire de liker la vidéo. Voilà, et ceux qui viennent juste de voir la vidéo, essayez d'abord de vous connecter sur cette chaîne. Je donne des informations sur les bourses, je donne aussi des informations sur les admissions et surtout j'aide aussi à les postuler. Donc ceux qui ne maîtrisent pas, voilà, vous pouvez toujours regarder en description, vous allez voir mes contacts, vous allez pouvoir me contacter pour que je puisse vous aider. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour la bourse de Lisboa. Vous voyez là, la bourse de Lisboa, c'est au Portugal. Voilà, donc ce qui est très intéressant pour cette bourse là, vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents, c'est à dire les documents doivent être en français, en anglais ou bien en portugais. Voilà, vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents, vous pouvez postuler comme ça et directement. Voilà, donc les dates limites, en ce qui concerne les dates limites, sachez que tout à l'heure je vais vous montrer les dates limites. Mais les dates vont dépendre de chaque université et de chaque faculté que vous allez choisir. Si vous choisissez une faculté de mathématiques ou bien de physique, vous allez voir que les dates diffèrent. Alors essayez d'aller postuler. C'est pourquoi je ne peux pas moi-même choisir soit la licence ou bien le master, parce que je ne sais pas quelle est la date qui sera et puis quelle est la date qui sera pour la faculté. Donc on va le voir ensemble et puis vous allez aussi savoir comment est-ce que vous allez postuler et puis quelles sont les facultés que vous allez choisir. Alors donc les gars, comme je vous l'ai dit, essayez de me donner une pouce bleue. Voilà, dans les noms, le nombre de personnes qui visualisent cette vidéo doit être au moins proportionnel au type de like. Mais je vois qu'il y a plus de personnes qui ne like pas la vidéo alors que c'est hyper gratuit. Voilà, vous n'avez rien à perdre. Si ce que je fais vous intéresse et vous plaît énormément et vous aide énormément, essayez au moins de me donner une pouce bleue pour m'encourager. Voilà, donc on va aller rapidement, on va voir les conditions, on va voir les éléments qu'il faut pour pouvoir postuler à cette admission et avoir à la bourse et avoir aussi la bourse, excusez-moi. Donc ici par exemple, comme ça vous voyez, nous sommes sur Access and Send Admission. De toute façon je vais mettre en français, comme ça on va se retrouver tous pour que ceux qui ne maîtrisent pas vraiment puissent se retrouver. Je répète encore, vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents en portugais. Voilà, ils acceptent la langue française, anglais, la langue anglaise et puis la langue portugaise. Donc si votre document est en arabe, c'est en ce moment que vous traduisez. Si votre document est en russe, alors vous allez traduire. Voilà, donc ici, si vous regardez bien ici, le statut des étudiants internationaux publié en mars établit l'admission des étudiants internationaux dans l'enseignement supérieur portugais. Premier cycle de master intégré à travers le concours spécial d'admission. Bon, nous ça nous intéresse pas. Ce qu'on va faire, on va aller directement dans qualification étrangère. Donc ici je vais cliquer sur qualification étrangère ici. Voilà, mais n'oubliez pas, dans un premier temps d'abord, vous choisissez d'abord ici international avant de pouvoir continuer. Study relation research and innovation international life at Lisboa. Donc ici, si je viens là, vous avez toutes les informations qui y sont. Voilà, donc ici par exemple comme ça, reconnaissance, type de reconnaissance, vous pouvez venir là, vous allez voir le type de reconnaissance. Voilà, c'est à dire quoi, c'est à dire que si vous faites la licence, alors quelles sont les universités par rapport à votre pays. Si on fait une comparaison entre votre pays et les universités au Portugal, quelle est l'université qui vous reconnaîtra, parce que c'est pas toutes les universités, donc ne postulez pas dans le hasard. C'est pas toutes les universités qui vont reconnaître vos documents et vos diplômes. Moi par exemple, si je suis en Côte d'Ivoire et que j'ai la licence, si je suis en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Burkina et que j'ai la licence, quelle est l'université qui va pouvoir me reconnaître pour pouvoir me laisser faire mon admission dans en son sein, vous comprenez. Voilà, donc vous allez comme ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce que vous allez faire, mais pour le moment je vais ici par exemple comme ça. Si vous regardez bien, je vais traduire en français. Ok, reconnaissance de niveau, elle permet de reconnaître par comparaison, vous voyez, au cas par cas, un diplôme étranger. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Elle permet de reconnaître par comparaison, au cas par cas, un diplôme étranger d'enseignement supérieur comme ayant un niveau correspondant à un diplôme d'enseignement supérieur portugais. La reconnaissance de niveau est soumise à un établissement qui délivre un grade ou un diplôme dans le même domaine. Vous pouvez consulter sur la page web de Lisboa, formation de domaine, vous comprenez un peu. Voilà, donc on va revenir ici, mais pour le moment je vais vous montrer un peu les documents qu'il faut et puis après je vais revenir pour qu'on puisse aller chercher à postuler à l'admission. Donc ici,
si je passe là, les documents que vous devez avoir pour soumettre, voici les documents qui sont là. Donc, on va essayer de les voir ensemble. Pour la reconnaissance automatique ou pour la reconnaissance du niveau de priorité, l'un des documents suivants, une copie du diplôme ou du document délivré par l'enseignement supérieur étranger attestant que le grade ou le diplôme pour lequel la reconnaissance est demandée a été délivré. Après ça, une copie du document délivré par l'établissement d'enseignement supérieur étranger portant un numéro d'identification dans le cas où l'établissement, ça c'est la même chose avec la avec le premier, chaque diplôme qu'on a correspond à une identification. Vous avez un numéro sur votre diplôme, donc ça c'est pas un problème. Ici, le diplôme ou certificat délivré par un établissement d'enseignement supérieur étranger dans sa version originale, ça aussi c'est identique à ce qu'elle a. Après cela, on vient ici, une déclaration du demandeur indiquant les classifications CNAF et FOSS du domaine de formation. Les tableaux de champs de formation CNAF peuvent être consultés sur cette page dans la barre de menu. Ça, c'est pas aussi un problème. Voilà. Le traitement de la demande est subordonné à la présentation de votre pièce d'identité. Vous pouvez également soumettre une déclaration permettant la soumission de la copie de la pièce d'identité pour la délivrance du certificat d'enregistrement de reconnaissance ainsi que la copie du document. Vous croyez que vous pouvez postuler avec votre passeport ou bien votre carte d'identité. Si vous souhaitez demander la conversion de la classification finale indépendante et la reconnaissance ou de l'enseignement déjà effectué. Ok, après ça, ici, un document délivré par l'établissement d'enseignement supérieur étranger, ça c'est la même chose. De certificat de reconnaissance préalable, ça c'est la même chose. Voilà, donc ici aussi c'est la même chose. Donc ici c'est cas par cas, licence master et doctorat. Voilà, donc ici traduction maintenant de documents. Donc pour la traduction du document, les diplômes, certificats, documents concernant les unités curriculaires, le diplôme, le contenu du programme et la durée des études ou la note finale qui sont délivrés en langue étrangère, non espagnol, français ou anglais, doivent faire l'objet de traductions certifiées. Donc on a quoi? On a anglais, français et anglais. Si vos documents ne sont pas traduits, si vos documents ne sont pas dans ces trois langues là, c'est en ce moment que vous devez faire quoi? Vous devez les traduire. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Et si vous traduisez, vous devez aussi faire la certification, vous devez certifier. Voilà, et voilà. Donc ici on dit lors de la remise des travaux de projet, les rapports de stage, de mémoire, de thèse, étranger, le candidat peut être invité à présenter la traduction certifiée dans l'une des langues des autorités compétentes. Donc vous voyez, donc ceux qui seront aussi, ils vont avoir les diplômes en langue russe, en langue arabe et tout ça. Si vous avez un projet d'études que vous avez déjà soutenu auparavant, voilà, ils vont vous demander aussi de les traduire. Voilà, donc en français, en anglais ou bien en portugais. Mais ce que moi je vous considère et je vous dis de faire, voilà, c'est un conseil. Si vous avez vos documents qui sont en arabe, en russe, voilà, ou bien autre langue, essayez de traduire en anglais. Voilà, mais non en français, en anglais. Ça va vraiment beaucoup vous aider et voilà. Donc, une fois qu'on finit, maintenant, on va essayer de voir un peu les délais. Authentification, photocopie, ça vous savez déjà que ça doit être normal. Donc, ici aussi, ça c'est pas un problème. Maintenant, le délai, ici, vous voyez que il commence après que la demande est terminée, y compris la soumission de tous les documents ainsi que ici on ne précise pas parce que chaque faculté a sa date limite, donc c'est pas la peine de préciser. Demande, dépôt de la demande. Ici la demande est soumise en remplissant le formulaire en ligne disponible sur la page qu'elle a. C'est identique au premier élément où je vous avais dit, voilà, ici pour la reconnaissance, où je vous avais dit qu'on allait repartir dessus. Donc c'est le même site, voilà, rien ne change. Ici dépôt de la demande, c'est sur ce site là que qu'on va aller faire nos éléments. Donc arrivé là bas vous allez choisir, vous allez mettre vos données et tout, voilà. Et pour par rapport à cela, ils vont vous dire les universités qui sont disponibles pour vous, pour que vous puissiez au moins voir la date limite et essayer de postuler. Donc c'est ce que nous va faire. On va aller directement sur ça, ici, page web de la DGS.
Donc, je vais dessus comme ça. Et vous voyez que... Voilà. Donc, ici, quel est votre but, votre situation actuelle? Vous allez choisir ici. Je veux reconnaître mon expérience au Portugal. Je veux connaître mon diplôme étranger. Voilà. Donc, si vous prenez ça, comme ça, ils vont vous rediriger sur les universités qui concordent à votre diplôme. Vous comprenez? J'ai déjà la reconnaissance de mon grade, diplôme. Je veux autre type de reconnaissance pour ce même grade, diplôme. Mon diplôme est reconnu, mais je souhaite soumettre une demande pour une autre reconnaissance. Ça, c'est pas nous. J'ai déjà la reconnaissance, l'inscription. Ça, c'est pas nous. Donc, nous, on veut savoir. Je veux connaître mon expérience. Je veux connaître mon diplôme étranger. Donc, vous cliquez là. Ici, on vous dit, on vous demande quelle est l'origine de votre. Quelle est votre origine, l'origine de votre diplôme. Vous choisissez peut-être, moi je vais mettre peut-être Côte d'Ivoire ici. Voilà, je vais choisir ici Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, je répète encore, ceux qui n'arrivent pas à postuler et qui veulent vraiment, qui souhaitent nos services, essayez de nous contacter. Inbox, il y a mon numéro WhatsApp en description. Vous pouvez voir et puis essayer de m'écrire. Ok, donc ici je choisis Côte d'Ivoire ici et on me demande quel est mon degré. J'ai choisi la licence. Voilà, donc j'ai la licence, c'est-à-dire que si vous voulez postuler ici pour la Côte d'Ivoire, vous voyez que c'est la licence seulement qui sort. Les autres, si vous voulez par exemple comme ça postuler, vous allez voir aussi, il y aura master, il y aura doctorat. Voilà, mais pour la Côte d'Ivoire actuellement, c'est la licence, mon degré c'est la licence. Donc je vais voir et je vérifie. Donc ici je vais mettre aussi en français. Ok. Niveau de reconnaissance, reconnaissance spécifique, niveau de reconnaissance. Ok, arrivé là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de venir sur la base de données de recherche qu'ils ont déjà effectuée. Voilà. Donc si je clique là, ils vont me renvoyer ici sur le site de DGS. Voilà, de DGS. Et à partir de là, je vais essayer de mettre mes éléments, établissement d'enseignement supérieur, cours, district. District, je vais choisir Lisboa. Où je suis actuellement en Lisbonne, voilà. Donc je suis ici et type d'enseignement, je choisis si c'est polyclinique, polytechnique, vous choisissez si c'est académique, vous prenez académique. Les lycées qui sont classiques, c'est académique et puis vous savez déjà les lycées polytechniques, vous les connaissez déjà. Donc type d'enseignement, si vous avez étudié dans le public, vous prenez public. Si c'est privé, vous prenez privé. Moi c'était public, donc je prends public. Ok, je vais faire quelle faculté? Ici, j'ai fait par exemple comme ça, sciences mathématiques et informatique. Ok, type de cours, maîtrise intégrée, non, baccalauréat, premier cycle. Ok, donc maintenant j'envoie et je vérifie quelles sont les universités qui sont disponibles pour moi. Donc, ils ont dit qu'il y a combien de cursus? Il y a 26 cursus pour 8 institutions. Voilà, ici, je vois qu'il y a 26 cursus. Donc, je vais essayer de voir. En Lisbonne, c'est ouvert. Nouvelle université de Lisbonne aussi. Ça, c'est moi-même qui ai choisi cela. Donc, si je viens à Lisbonne, par exemple, je veux par exemple étudier à l'université des sciences, faculté des sciences de, à l'université de Lisbonne, faculté des sciences. Donc, ici, je vais cliquer sur faculté des sciences. Ils vont me mettre en même temps le site de l'université qui est là. Voilà. Donc, voici les cours ici. Baccalauréat premier cycle. Ici, voici la carte si vous voulez vérifier l'emplacement. Et ici, voici le site de l'université que je vais où je vais partir chercher à postuler et à m'inscrire. Vous voyez, donc je clique sur le site de l'université qui est là. Voilà, ça me renvoie directement sur la plateforme de la faculté. Voilà, donc d'ici, je peux voir ici cours et candidature ici, application. Donc pour ne pas perdre de temps, je vais sur application rapidement ici. Voilà. Et arrivé là, vous faites la même chose partout où vous allez vous retrouver. Vous faites la même chose partout. Voilà. Ça ne dérange pas. Donc, si vous voyez bien, pour cette université-là, il y a une première étape de la demande qui est quoi? Qui est du 26 au 8. Il y a une deuxième phase de la candidature qui est du 12 au 23 septembre et nous ici on est au 8, donc ça veut dire que c'est possible. Et il y a une troisième phase de candidature qui est du 7 au 11 octobre. Donc si vous voulez postuler, je vous conseille de faire un peu plus vite. Voilà,
Maintenant, pour pouvoir être mieux situé, vous venez dans étudiants internationaux ici. Comme ça, vous allez voir un peu qu'est-ce qui vous attend pour les étudiants internationaux qui vont postuler en mathématiques et informatique. Voilà, parce que c'est ce que moi j'ai choisi. Donc, si vous voulez, le faire, essayez de bien choisir pour ne pas vous tromper, pour mieux savoir où est-ce que vous allez postuler et quand est-ce que vous allez postuler. Donc, quand je viens là, premier cycle, premier c'est déjà passé, deuxième cycle. Ici, c'est déjà passé. Vous voyez, pour mathématiques, troisième cycle ici. Ici, c'est 2 décembre au 13 janvier. Seulement, si je veux postuler pour les mathématiques et informatiques, c'est seulement en décembre pour les doctorats qui peuvent postuler. Vous comprenez? Voilà, donc ça veut dire que moi, je ne pourrais pas postuler ici si je viens faire un master. Donc, vous comprenez un peu. Voilà, donc, si vous allez sur le même site et que vous allez sur une autre faculté, voilà, vous pouvez maintenant chercher à vous inscrire, à postuler à votre université, à postuler à votre admission. Voilà, vous allez voir qu'il y aura admission. N'écrivez pas ici. Information concernant la procédure d'inscription, inscription internationale disponible dans ici. Donc vous venez là et vous essayez de postuler à votre université. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vais essayer de faire une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce que vous devez vous inscrire pour que vous puissiez au moins commencer. Voilà, donc les gars, c'était moi, Alexandre Hospita, et vous êtes sur la chaîne de M. Le Russo 225. N'oubliez pas, vous pouvez faire cela avec plusieurs universités, avec plusieurs facultés. Ça va dépendre de vous. Les dates limites vont dépendre des facultés. Donc, essayez de voir ces facultés-là avant de pouvoir postuler. Essayez de voir aussi les dates limites avant de pouvoir postuler et dans quelle branche où vous allez postuler. Ok, donc, donnez-moi une pouce bleu si la vidéo vous a rendu service. Et puis, à plus les gars.